What's up, sûr que tu vas bien, que tout se passe bien. Deuxième programme, on va se faire un programme pec et épaule. Donc je verrai si je mettrai un exercice pec ou deux exercices épaule ou l'inverse. On verra ça avec l'élastique toujours. Donc prends ton élastique tranquillement, de l'eau et on va bosser. Bon, là je me suis mis à l'ombre. Désolé d'avance, la qualité elle est bizarre. D'accord? Parce qu'on n'est pas là pour la qualité, pour mes compétences audiovisuelles, on est là pour le programme. Premier exercice, on va travailler l'avant des épaules, d'accord? Donc, tu prends ton élastique, tu le mets en dessous de tes pieds comme si tu faisais le curl biceps. Et on va faire ça. Ok? On va faire ça 15 reps. Tranquillement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, super, je mets mon petit trait tranquillement. Hop, mon temps de repos. Effacer, bam, c'est parti. Voilà. Pareil, 30 secondes de repos pour le premier exercice. Très rapide, c'est les épaules, élastique, on récupère vite. Donc, on prend un temps de repos rapide. Ah, les épaules avec l'élastique. Je le faisais souvent, ça aussi. Quand je partais en vacances. Bah oui, quand tu pars en vacances et que tu veux avoir les épaules congestionnées, élastique direct. Ok, on arrive à 30. 15 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15. Ok. 30 secondes de repos, je mets mon deuxième trait. Les premiers exercices, ça va vite. Mais là, ce programme-là, il va être un peu plus rapide que les bras. Parce que les bras, c'était vraiment la pré-fatigue de l'échauffement, on va dire, pour commencer une bonne séance bras derrière. Ou bien alors, si tu es en vacances et tu as besoin d'être congestionné pour mentir aux gens à la plage, tu peux le faire aussi. D'accord? C'est important. D'ailleurs, ce programme aussi, si tu as besoin d'être bien et mentir. Parce que pour la congestion, c'est du mensonge, ça. Si tu as besoin de mentir, tu peux faire ça. Troisième repas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, super. Un petit trait. Bam. Effacer. Hop. Incroyable. Mon stylo, il avait des problèmes d'encre. Là, comme il entraîne ses chauds au soleil, là, l'encre, elle est parfaite. C'est un truc de fou. Laissez vos stylos au soleil quand ils ne marchent plus. Mais pas trop, sinon l'encre va sécher. Genre un tout petit peu. Ça va faire du bien au stylo, ça. 20 secondes, là, ça va vite. De toute façon, on est à la dernière déjà. Ça te permet de bien préparer tes épaules. Et ça aussi, parfait. Si, j'arrête le chrono, si tu veux faire un programme épaule juste derrière, et t'as un élastique, ça c'est parfait en début. Ça va bien t'user. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14 et 15. Mon petit trait, mon temps de repos. Bon, là je vais couper la caméra, d'accord? Tu prends 1 minute de repos, 1 minute, et on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice, on va travailler les pecs tranquillement. On va faire 20 reps, hop, avec l'élastique. Tu prends l'élastique, tu le mets derrière ton dos, t'écartes bien les bras et tu fais ça, ok? 20 reps. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok,
30 secondes de repos. Ça, c'est un exo que je faisais aussi en vacances, quand j'avais les pecs mieux développés, tu vois. Je les faisais tranquillement, je mettais un débardeur. Voilà. En Thaïlande, j'ai fait ça. Je suis parti en Thaïlande, je faisais ça, c'était bien pour aller en ville. Parce que tu vois, les Asiatiques, là-bas, ils ont pas l'habitude de voir des gens. Des gens qui ont un bon physique. Donc ils te regardent, tu vois, ils sont sur les marches. Ils guettent quand même, tu vois. Ça, c'est bien. Ça, ils voient la puissance et c'est important. Si tu veux montrer la puissance aux gens, prends l'élastique. Ouais, il est déjà 46 secondes, je repars. Allez, 20. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, 16, 17, 18, 19, 20, ok. Je mets mon petit trait. Repos 30 à 40 secondes, tout dépend, mais essaye de pas dépasser. Moi tout à l'heure, je racontais mon histoire, j'ai dépassé, mais on essaye de pas dépasser, c'est important, d'accord? Histoire d'avoir un temps de repos relativement court et une tension toujours sur ton muscle. Il faut que tu aies mal, d'accord? Quand tu serres, essaye de bien contracter pour bien sentir la tension sur les pecs, ok? Il se peut que tu sens aussi des épaules, c'est normal. C'est un mouvement qui imite un peu le vis-à-vis, tu vois, ou la machine butterfly, pectoraux. Commence à avoir un peu de vent. 40. On va repartir. Et là, j'ai hâte de voir si mon micro, le filtre anti-vent, il est bien ou pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Troisième. Effacer, bam. Ouais, je disais, il y a du vent, j'ai hâte de voir. Parce que là, ça me fait une petite. Une petite mousse ici, là. Mais faut que le son il soit bien aussi, tu vois. Parce que c'est bien le côté mousse, mais si ça filtre le vent, moi je retire la mousse. Parce qu'à part me chatouiller la barbe, ça me gêne plus qu'autre chose. Ok, on arrive à 30. On va repartir à 30 là. 30, dernière. Comme j'ai dit, hein, ça c'est un programme, faut le voir comme un échauffement, d'accord. Donc inutile de perdre trop de temps si tu sens que t'es chaud pour repartir, repas. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Là, j'étais parti pour aller jusqu'à 30. Là. Je mets mon petit trait tranquillement. Ok, tu prends une minute de repos. Moi, je vais couper la caméra ici et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on repart sur les épaules. Il va être assez tendu celui-là. Attends, tu prends l'élastique, tu le mets en dessous des pieds. Ok, tu vas faire un mouvement que je pourrais pas te montrer à la caméra. Ok, tu vas te baisser, mettre l'élastique comme ça, mais je pense que tu sauras comment le mettre. Et là, hop, on va en faire 10 comme ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Hop, évidemment, l'iPad. Je l'ai verrouillé parce que je suis à 7%. Je mets mon petit trait tranquillement. Tu prends entre 50 secondes et 1 minute de repos. Très important. D'accord. C'est un exemple un peu plus dur, donc le temps de repos est légèrement plus long.
N'oublie pas de boire une petite gorgée d'eau ou deux, pas plus. Et là, le soleil, il m'a bien giflé. Je commence à avoir chaud, là. Mais bon, ça me fait du bien, quand même, un peu de soleil. Mais là, il y a du soleil, mais il fait quand même froid. Hein. Ça veut dire que là, mon pull qui ressemble à un parachute, j'ai pas envie de l'enlever. Parce que je suis bien avec. Je suis bien. Je suis congestionné dedans. Mais je suis bien avec quand même. J'arrive à 50. Je suis à 45. J'ai un pelou le bouton arrêté là. C'est incroyable. Voilà. On va repartir tranquillement. On met l'élastique en dessous les pieds. On fait le mouvement bizarre. Hop. Voilà. Et on y va. 1, 2, 3. On monte bien haut. 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ok. Je mets le petit trait tranquillement. Sachant que ce soir, je fais une séance épaule avec le frérot. On pourra faire les choses bien. Ok. Attends, je remonte. Là, je peux plus. Là. La luminosité, elle est compliquée. C'est bon. Et je disais. Ça me fait du bien, sachant que là, tout à l'heure avec le frérot, je fais une petite séance, on va faire les choses bien. Attention, avec l'élastique, tu vas pas devenir balèze, tu vois. Tu vas pas devenir un monstre, tu vas pas atteindre mon niveau si tu fais que des entraînements avec l'élastique. Comme je t'ai dit, ça c'est vraiment de l'échauffement, la préparation, ou limite si t'as pas de machine, ça va bien t'aider, ça va t'aider à te dessiner, à gagner un tout petit peu de muscle. Mais vraiment, si tu as un physique qui s'approche plus du mien, on va dire, tu es obligé d'aller en salle, ou de prendre des haltères, ou de soulever de la charge. Mais ça va t'aider, d'accord? Je ne dis pas que tu n'évolueras pas avec, tu vas évoluer. Mais tu verras que tu vas vite te stagner, d'accord? Il est 50. On va repartir pour la troisième. Ok. Élastique en dessous les pieds, mouvement bizarre, et on y va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour ce mouvement, il faut imaginer que tu as une barre, tu vois. C'est le même exo, c'est du développé militaire à l'élastique, tu vois. Comme si tu avais une barre, tu es là, bam, tu pousses, bam, tu vois. Ça travaille bien les épaules. Là, je ressens ma tension sur l'avant des épaules. Après, il y a comment je fais le mouvement, mais c'est pas plus mal. Il y a un tout petit peu l'arrière qui est sollicité quand mes bras sont tendus, je le sens. Et là, en tendant les bras, je sens aussi la partie latérale. Donc, je me dis que ça bosse toutes les parties des épaules, en fait. Je suis bien. Je serai tranquille pour la suite. Sachant qu'après cette vidéo-là, je fais un programme pompe freestyle. Enfin, une préparation pompe freestyle. Qui sera pas trop compliqué d'ailleurs, donc tout le monde pourra la suivre normalement. Faut que je sois prêt, faut vraiment que je sois prêt. 47, on va repartir tranquillement. Ok, pied en dessous de l'élastique, d'accord. Mouvement chelou, on y va. 10 dernières, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, allez, 9 et 10. Oh. Ok. Mon petit trait, tranquillement, temps de repos, j'en ai pas besoin. Tu prends 1, 2 ou 3 minutes de repos et soit tu passes à un autre programme avec haltère de préférence ou le programme pompe que je vais faire. Et voilà, hein, voilà, tu bosses. Ou sinon, tu te reposes et la séance est finie pour toi. Le programme pec épaule est fini. Comme je t'ai dit, il faut le voir comme un échauffement, ce programme. Hein. Tu t'échauffes tranquillement avec l'élastique, pec, épaule. Et après, de préférence, soit tu pars sur un de mes programmes pec avec les haltères ou un programme épaule avec les haltères. C'est vraiment de préférence. Comme ça, tu seras bien. Et si tu veux faire le fou, tu t'échauffes avec l'élastique et tu pars sur deux programmes. Soit
deux programmes pec, soit deux programmes épaules, soit un programme pec, un programme épaule. Et là, je peux te dire que là, ta séance, là, elle sera plus que validée. Si tu kiffes ce contenu, mets un j'aime, mets un commentaire, ça aide à développer la chaîne. Tu vois, c'est important, référencement et tout. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et aussi à mon compte Instagram, Dame Jordan. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.